Bienvenue à la table TEG. On est toujours avec les autres admins et les partenaires ravis de vous accueillir. TEG, aujourd'hui, on a un peu plus de 6 mois d'existence. Les tables ne déremplissent pas. Le groupe est toujours actif. Donc, je rappelle un petit peu pour ceux qui viennent de nous rejoindre et ceux pour qui c'est la première table. TEG est un groupe d'entrepreneurs guadeloupéens qui a pour objectif de mettre en relation des entrepreneurs qui sont certaines fois isolés, qui n'ont pas de contact et qui ont besoin d'échanger. Le principe, c'est une activité par le site web et par le groupe WhatsApp qui permet à chaque entreprise de trouver des partenaires pour répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, on a chaque jour, vous le voyez, des demandes sur le groupe qui trouvent immédiatement preneur. Les échanges sont quotidiens. Sur la table, deux fois par mois, on se réunit à 42. Donc 42 chefs d'entreprise qui passent 1h30, 2 heures ensemble et qui font connaissance. Bonjour, donc je suis Madame Tafna Stéphanie. Ma société, c'est le cabinet Tafna Podologie. Donc je suis podologue, pédicure podologue de profession. Je suis basée au Lamantin. Et franchement, ça manquait des événements comme cela. C'est vraiment top. Donc je connais via le groupe WhatsApp. Et c'est ma première table. Donc c'est vraiment top. Nickel. Merci encore. Donc bonjour, Stéphanie Marsan. Donc je suis très heureuse d'être à la table TEG. Ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger, de partager, de réseauter. Voilà, développer nos activités professionnelles, mais également de faire de belles rencontres humaines. Je suis Monsieur Ira, président de la société Trion. Trion, c'est une plateforme de traitement de déchets alimentaires. Pour l'instant, nous sommes l'unique plateforme à traiter les déchets alimentaires en Guadeloupe. Donc, ce que nous proposons, c'est de la mise en place, la mise à disposition de contenants pour les entreprises. Nous avons des camions spécifiques pour la collecte. Ensuite, nous avons un site de traitement qui se trouve au Moule, qui traite les déchets alimentaires. Et par la suite, ces déchets sont transformés en compost. Bonjour, Nathalie Joly, MGTS Conseil. Donc, nous sommes un cabinet de conseil d'entreprise et de formation. Donc, nous accompagnons les entrepreneurs pour pouvoir les aider à être plus performants donc dans des domaines clés de la gestion. Donc, quand on crée une entreprise, quelquefois, on n'a pas les clés pour que l'entreprise soit pérenne. Donc, on accompagne. On accompagne aussi en management, donc management des équipes. Par exemple, comment recruter des talents et les conserver, comment générer les nouvelles générations qui ont une vision du travail qui peut être un petit peu différente de celle des anciens, ou comment gérer des personnes post-Covid qui ont des aspirations et des attentes vis-à-vis du travail qui sont différentes. Voilà, on forme également communication interpersonnelle, donc gestion finance, technique de vente et de négociation, enfin tout pour être beaucoup plus performant. Et puis nous organisons également des séminaires de cohésion d'équipe. Bonjour, Frédéric Giraud, directeur au Crédit Mutuel de la Jaille. Je suis ravi et je remercie TEG de nous avoir invités à cette table ronde. Le Crédit Mutuel est là justement pour accompagner les entrepreneurs. Et donc on est ravi de pouvoir échanger à ce sujet-là. Et c'est vraiment une très bonne initiative que de permettre à chacun de nouer des contacts et des relations. Encore merci à TEG. Bonjour, je suis Laurence Devarieux. Je suis conseillère en immobilier chez Capi France. C'est ma première table TEG aujourd'hui et je dois avouer que c'est très sympathique. Ça nous donne l'occasion de nous rencontrer, de faire un partage de nos expériences et c'est très agréable. Bonjour à tous, écoutez-moi, c'est Samuel Dureau, je suis dirigeant de l'agence immobilière Nesten. Donc je suis membre du TEG et aujourd'hui je participe à la table. Donc c'est une opportunité de pouvoir réseauter, de faire connaître son entreprise. Et pour tout projet que vous pouvez avoir en termes de location, en termes d'achat, de gestion locative, vous pouvez faire appel à l'agence immobilière Nesten. Bonjour, je suis Sarah Victoire de la société Axis. Donc je représente Xavier Reynalter qui est partenaire de la table TEG.
Et donc, AXIS, c'est qui veut dire audit, conception de système de sûreté. Donc, nous accompagnons les clients qui ont des problématiques en vidéo protection, contrôle d'accès, alarme intrusion, alarme incendie. Donc, quelle que soit la problématique de sécurité qu'un client peut rencontrer, nous sommes là pour les accompagner et trouver des solutions. Voilà, et la table TEG, alors que je trouve très intéressante de rencontrer différents types de sociétés, de partenaires, de pouvoir échanger, de pouvoir rencontrer tout type de personnalités. Bonjour, Edouard Rouzet, gérant de la société Digicaru. Nous faisons tout ce qui est développement web, gestion des réseaux sociaux et apport de clients. Aujourd'hui, ça doit être la 7e ou 8e table TEG que nous faisons. Donc ça devient une habitude, rencontrer une quarantaine d'entrepreneurs, ça permet de créer de la convivialité, créer du business, et donc je vous encourage vivement à vous inscrire, à venir dans le groupe et à participer aux tablés qui permettent d'améliorer votre business, de le faire grandir et de se retrouver autour d'une table d'un bon repas. Et alors les tables du TEG sont une très belle expérience, ça permet vraiment d'ouvrir, de faire du vrai networking avec de vrais professionnels. De pouvoir vraiment lier des contacts avec des personnes d'intérêt, de futurs collaborateurs, de futurs partenaires. Longue vie aux tables du TEG. Bonjour, Annelle Seymour, société Wiglas, vente et réparation de pare-brise. Aujourd'hui, c'est ma 8e table, je crois, avec une rencontre toujours enrichissante, des partenaires toujours aussi présents. 40 entrepreneurs avec lesquels on peut faire du business, donc très convivial. Bonjour, Grégory Chemel, directeur du Crédit Mutuel du Gosier. Mais écoutez, moi c'est la première fois que j'assiste à la table TEG et je trouve le format vraiment très très bien adapté. En toute convivialité, ça permet de créer un réseau, de s'entraider. Bonjour à tous, alors c'est Biari Emouik de la société Bizou Network. Et aujourd'hui je suis venu pour présenter Caribouache et Cariparts.com. Donc les tables TEG, je suis ravi d'avoir rencontré du beau monde et je vous invite à vous inscrire et à venir rencontrer et découvrir des activités de notre région. Donc Julien Ferré, Gestimo, spécialisé en défiscalisation immobilière. TEG, on les suit en fait depuis le début, depuis la création. On est très ravis en fait de voir l'évolution que ça a, l'engouement aussi, parce qu'on est de plus en plus nombreux à chaque fois à participer aux différentes tables de rencontres, ce qui est le cas aujourd'hui. Et voilà, c'est toujours un plaisir, ça permet de réseauter, de rencontrer des personnes qu'on ne connaissait pas et puis aussi de consolider des liens qui ont été créés depuis le départ. Donc merci beaucoup pour l'accueil en tout cas et puis pour la sympathie et pour le sérieux du groupe de réseau. Vous regardez ETV,